j'ai qu'un câblé. Et s'il y a un souci de micro, il y en a qu'un trop dans frigo. Oh non, c'est Arthur, alors dit Arthur, 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 qui dit que Arthur, c'est Arthur. Oh, 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 oh. Même pas en survalo, stream toujours en calmar, joue jamais au jeu solo, si multi jusqu'à très tard. Son nom, c'est Arthur. Bonsoir, comment tu vas, Normus? Enfin, bonsoir, bonjour. Alors, dis Arthur, 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 qui dit que c'est Arthur, c'est Arthur. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et salut, Ninjalek, salut. Owen! Owen! Si j'avais cru qu'Owen reviendrait. Et bah, du coup, bonjour, Ninjalek, salut, Normus, salut, Owen, comment vous allez? Et coucou, 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 comment ça se passe, vos petites villes, là? Ça va, écoute, j'essaye de me réveiller. Ah, il est 9h, ouais, il est même pas 10h au Québec. Eh ben, ça s'est bien passé, le déménagement, du coup? Ah ouais, ça fait trop longtemps, je t'avais carrément oublié, là, en fait. Ça va super, et toi? Eh ben, ça va nickel, écoute. Ça va nickel, au final, je vais pas en stage aujourd'hui, je suis tranquille. Du coup, let's go lancer Half-Life. Mal partout, ah merde, c'est l'âge ça. En parlant d'âge, vous voulez savoir ce qui fait de moi vraiment quelqu'un de vieux? Mais de... vraiment vieux? Est-ce que vous voulez le savoir? Et quoi de neuf du coup, Owen et... Voilà, quoi, voilà. Là, on s'est parlé sur Insta il y a pas longtemps d'ailleurs, je t'ai dit que je reviendrai bientôt. Menteuse, tu m'as menti. Tu mens, sorcière au bûcher. Oh, let's go! Et ça va, tu t'intègres bien, c'est tranquille. Du coup, ce qui fait de moins vieux. Pimps. Pimps. Germanique. Ah, vraiment. C'est des trucs de vieux, mais bah les couilles, c'est tellement bon, ces conneries-là. Ah là là. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer Half-Life 2, épisode 2. Et si j'ai la déter, je vais continuer à farmer sur le serveur de Benji. À voir. Les oranges avec le café, ça passe. Alors, j'ai pas encore de café, faudrait que je m'en fasse. J'ai une boisson de type énergisante, de type... Merde, c'est quoi déjà le truc? Merde. Pas de chance pour vous. Ah, mais... Oh, vous avez le truc, là. Vous l'avez. Ouais, nickel, j'ai du mal avec ma génération, donc parfois, ça me casse un peu mentalement. Non, c'est pas une monster. Et tu sais, j'ai goûté des Pimps. Ben, en soi, c'est pas si dégueu, mais c'est pas dégueu du tout. C'est trop sucré, clairement. Mais, je prends assez peu de sucreries, mais quand j'en prends, je me déglingue sur une ou deux journées, et après, je suis tranquille pour deux semaines. Ah, vraiment, c'est... Oui, ça va, le bruit? Vraiment, c'est... Banger. Banger, banger. Bon, allez, je vais lancer Half-Life 2, épisode 2. Alors, je mets la catégorie... Half-Life 2, épisode 2, parfait, et c'est y part. C'est juste que si tu manges le paquet, t'as un diabète de fer. Oh, le paquet va faire la journée, moi je te le dis. Hein. Tu vas pas faire plus. Ni plus, ni moins. Comme d'hab, le son de Valve, quand tu lances, c'est toujours trop fort. POV les oreilles. POV les oreilles. Merde.
Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, faut vraiment que je fasse gaffe parce que niveau cholestérol et diarrhée, je vais mettre un dessus. Enfin, cholestérol, c'est pas fou, quoi. J'ai un test. Donc, faut que j'évite de faire trop le con avec tout ça. J'ai fait que ça pendant un mois. Ton bureau, il fait mal au crâne. Comment ça, il fait mal au crâne, mon bureau? Eh, j'ai baissé le son. Attends, j'en baisse encore. Ok, encore un tout petit peu. Hop, parfait, vidéo. Pour là, ça me va avancer. Tout est en élevé. Oh, très élevé, je peux me le permettre, s'il vous plaît. Détail de l'image élevé. Haut, tout reflété. Élevé, activé. Je sais pas ce que c'est. Ok, au max. Flou de mouvement en Nictaras. Champ de vision, je vais mettre un petit. Ouais, 80. Allez, 78. Rendu multicœur, ok, ça me semble pas trop mal. Eh ben super, c'est Tipa. Je suis sur la barre de son du bureau, heureusement. Ah ouais, c'est vrai que ton setup de fou. Tiens, Owen, je vais te montrer le setup de Dormius. Vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Non, ça c'est pour le serve de Benji. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, oh oui. Alors, faut que je retrouve. Non, oui. Théma, le bureau de Normeus, évidemment, avec le meilleur live. Le meilleur live. C'est la room de puant, quoi. T'as intérêt à faire des streams avec ce setup. Ah oui, clairement. Bah, c'est comme Arthur qui dicte Arthur. Voilà, quoi. Je chante très mal, mais bon. Bon, écoutez, on va faire avec, enfin. Allez, c'est parti, chapitre 1. Ah oui, son setup est extra. J'ai hâte dans 10 jours là, 10 jours et une. 10, non, dans 10 jours et 10 minutes, je suis dans le train pour rentrer chez moi. J'ai un peu hâte en vrai. Comment ça, si, j'irai sûrement sur le serve après. T'en fais pas. Comment tu vas, Gragra? On verra, c'est pas dans mes projets. Hein. Ouais, t'as un problème avec le serveur de Benji? T'as un problème, Owen? Tu veux que je te casse la gueule? Alors, clavier. Pouip. Bon, allez. Ah oui. C'est vrai que c'est à l'ancienne. Hop là. Il y avait quoi? Le zoom, c'était Z. Non, bah, c'est très bon. Appliqué. Ok. Ouais. Ouais, je t'aurais cassé la gueule si. Oh, ok, je croyais que c'était genre un véhicule, mais pas du tout. Alors, du coup, pour. Je sais pas si vous situez. Mais la fin d'Half-Life 2, on détruit un endroit du coup qui appartient aux aliens. Et après, vraiment, c'est fin du jeu. Là, c'est la suite. Vraiment, c'est la suite. Et let's go. En soi, on peut le considérer comme Half-Life 3. Bien que ce ne soit pas officiellement Half-Life. Ouais, une espèce de tour, oui. Ok, let's go. Putain, je trouve, en vrai, graphiquement, je veux voir de quand il date, mais il a bien vieilli. Bibliothèque. Voilà. Hop, il date de quand? Page du magasin. Pam pam pam. 2007. Pour un jeu qui a plus de 15 ans. Bah ça rend bien, ouais. Gordon? Ah, c'est Alix. Alix, oh, la boss. Alix, péta. Ouais, à toute. Ah. Je vais vous tirer de là. Je dois finir mon massage. Ok. Ah. Alix, viens me sauver, Alix. Oui. Il marche encore. Le son est assez fort. Reculez. T'inquiète, je recule. C'est parti. Ouais, t'inquiète. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Waouh, j'avais oublié comme ce truc. Et puis j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a un Half-Life Gordon Freeman, quoi? Pas du tout. Donc calmos, hein, Normeus. Qu'avait la pêche. Tenez, prenez le pistolet anti-gravité. Let's go. Vous le maniez mieux que moi. Oh, je peux comme pas. Je ne vous trouvais pas, j'ai cru. Je sais. Je n'aurais pas dû m'inquiéter. Bon, il faut continuer.
Je parie que le cartel ne nous a pas oubliés. Ah oui, le cartel, le fameux. Allez, on doit J'ai se barrer. J'ai entendu des vortigantes tout à l'heure. Ils sont peut-être encore là. On a encore beaucoup de chemin à faire avant de retrouver mon père. On aurait bien besoin de renforts. Ouais. Bah vas-y, je vais voir ce qu'il y a à peu près partout. Ah, triste. Pourtant j'ai essayé, mais effectivement ça marche pas. T'as l'ascension, elle est pas mal. Un peu élevée, je vais la baisser. Option. Souris, poop, appliqué, parfait. Ok. Allez, suis-moi, Alix, suis-moi. Je t'ai menti. Ok. Super nickel. Je peux pas. Oh, je peux pas voler des corbes. Ok, donc ça, c'est la tour qu'on a détruite. Comme vous pouvez le voir, on a mis la ville sans dessus dessous. Alors je vais augmenter un peu les dialogues. Voilà. Ah. Voilà, le son ça devrait être mieux. Ah, je crois qu'elle parle. C'est quoi ? C'est ma poule. Oh ! Elle nous va dans le portail ! Non ! Mais celle-ci, c'est un peu plus. Regardez le pont! Oh là là! Quoi? Bah, on s'y croirait presque! Allez vite, faut se barrer! C'est quand que j'ai des armes? Oh! Bah, allez, viens, Alex, mais tu fous quoi? Moi, je veux jouer le jeu! Ça va? Ça recommence, comme au premier jour. Ah ouais, elle est... C'est une forte tête. Oh, l'Union soviétique. Ok, let's go. Je parie que cet endroit a été utilisé par les rebelles. C'est sûr. Il y a un truc là. Ok, ah c'est, ça me fait de l'armure. Ok, encore de l'armure. Merde. Bah ça m'apprendra, tiens. Pas terminé. Hop, c'est Tipar. La... m'a fait peur. Ah. Qui est mort ou... C'est pour m'en assurer. Bon, c'est pas un abri très sûr. Ça, comme arme, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il va y avoir les premiers monstres, bah là-bas. Oh là là, c'est trop bien. Des zombies. Fonction qu'on a plus dans Alpha et Falix, si ça c'est pas triste. Voilà, point faible trop fort. Hop, super. Reculez. Vous commencez à reculer. Moi, je fais ce que je veux, je suis un warrior. Ah, oh, j'adore, c'est trop bien en fait, on peut casser des gueules et tout. Merci de me protéger, Alix, mais j'ai pas besoin de toi. Je l'ai oublié, mais oui, c'est... t'inquiète, j'avais déjà fait. T'es un vrai mec, moi je suis un vrai mec, je tabasse les meufs. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire, étonnamment. C'est incroyable qu'on ait survécu. Ouais, incroyable. Ok, un centre de communication. Voyons si on peut envoyer un message à mon père. Le docteur Kleiner et mon père sont au nord dans une vieille base de missiles. J'espère qu'ils utilisent encore cette fréquence. Ils essaient de lancer une... Ah, ça y est. T'es de Marseille. Oh, vas-y, abuse. Je suis pas un Marseillais. Quoi encore?
voir si je peux le faire marcher. Vas-y, fais-le marcher. Il faut mettre un truc là, faut que je le trouve. Je vais faire l'énigme avant même que tu me le demandes. Quel souk ! Ça risque de prendre du temps. Ah oui, ça va être très très long. Et si vous savez comment réparer ça, surtout n'hésitez pas. Ah, merci. Voilà. Un jeu d'enfant. J'avais 3 ans quand je l'ai sorti. Bon, vérifions. White Forest, ici Alex Vance. Il fait chaud, il fait 26 degrés là. White Forest, répondez. À Marseille. White Forest, vous êtes là ? Alex, mon Dieu, c'est vraiment vous ? Oui, je suis avec Gordon, ça va. On a réussi à sortir de Cité 17. Oh, Alex. Dieu merci, je n'arrive pas à y croire. T'inquiète pas, papa, ça va. Mais il se passe quelque chose de bizarre à la Citadelle. Oui, nous avons suivi la situation attentivement. L'implosion du noyau ouais, a donné naissance à un faisceau cohérent d'énergie de portail. Ouais. Il s'agit du cartel. Leurs unités tentent d'ouvrir une autre passerelle. Oui, vous avez sous les yeux l'ébauche d'un super portail. Et s'il atteint sa puissance maximale... Ce sera de nouveau la guerre des 7 heures. Sauf que cette fois, on ne tiendra pas plus de 7 minutes. Dieu. Gordon. Et si c'était pour ça qu'ils envoyaient tant de données de la Citadelle ? Pour que... Des données ? De la Citadelle ? Grand malade, Normius. T'es pire que moi. Il chargeait de gros volumes de données directement dans la séquence de destruction. J'aurais bien aimé débrancher pour te couper pour autre. Ça doit être le code du portail du cartel. Mais oui, non. Oui, je ne suis pas sourd. J'ai téléchargé tout le paquet. Depuis, ils sont à nos trousses. Bien sûr qu'ils nous pourchassent. Vous voyez, Kleiner, c'est tout l'intérêt de leur visite. Oui, je le sais, mais je n'ai jamais dit. Quelque part dans cette séquence, ils ont dû établir une connexion avec le côté opposé. Pas mal le front. Ce que vous avez là, jeune fille, est le code de contact pour le monde supérieur du cartel. Grand Dieu. Si je ne me trompe pas, et je n'ai aucun doute là-dessus, vous êtes en possession du code que le docteur Mossman voulait récupérer. Quand pensez-vous arriver ? Il faut qu'on se repère d'abord, mais on peut sûrement... Il n'y a pas de temps à perdre. Bah, ta gueule. Accélérons le planning du lancement. Dès que vous arriverez avec les données de signature, nous encoderons le satellite et le mettrons en orbite. Complètement pas. Aussi vite que possible. Papa ? Papa, je t'entends plus. Allez, let's go, à plus. Papa, tu es là ? Papa ! Non. Ils sont encore sur nos traces. Cherchez empreinte signature passive. Mandaté restriction de sous-niveau. Mandaté restriction de soumis. Ok, let's go. Y'a quoi ? Y'a rien, à droite. Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Merde, ça fait rien. Non mais j'ai une... J'ai un cadeau. Ah ouais, elle a aucune pitié. Elle a aucune pitié, elle s'enjaille. Ouais. Attends, je vais voir ce qu'il y a en haut. Ah, va falloir faire casser ça. Ok. Je vois, c'est trop simple en fait. Ouais, c'est plus rapide comme ça aussi. Et ouais, là c'est la street, la vraie, t'as vu ? T'as vu ? C'est comme ça qu'on... Bravo. Ouais, ouais. Ça marche. Ouais, je sais, ouais. Je peux toujours compter sur vous pour trouver la solution. Oh, enfin, Alice. Le docteur Magnusson a une vieille fusée à White Forest. Ouais. Il espérait qu'un jour, il pourrait lancer un satellite qui accéderait à l'ancien réseau. J'ai pas envie d'écouter. Établi à Black Mesa. Mais effectuer un lancement tant que le cartel était intact, c'était impossible. C'est quoi ça ? C'était quoi ? Oh, un mini-boss. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Il est où le truc ? Ah, moi j'ai mon arme, hein, s'il faut. Chut, silence. Il y a du monde. C'était il y a presque 20 ans, c'était il y a 17 ans, attends. Enfin, il y a presque 20 ans.
Les jeux c'était pas les mêmes à l'époque. Vous pouvez trouver un moyen d'ouvrir cette porte ? Avec plaisir. D'accord, les vitres. C'est des vitres en acier galvanisé, ça je reconnais. Ah ouais. Par contre, la mouche, tu te calmes, je suis pas ton pote. Attention là-haut. Je vais faire le guet ici. Ok. Eh bah, fais le guet. J'aurais heureux que tu le fasses. Ah. C'est bon, y'a pas un zombie, non. Et. Y'a un truc là. Faut que je trouve un moyen d'accéder derrière. Ça a marché. Ça m'a fait peur cette merde, et comment je sors moi? Ah, bah comme ça, oui. Ok. Ouais, je l'ai vu. T'inquiète pas. Bon, bah, Alix est morte. Elle est vraiment morte? Finito. Ok. Eh ben, c'est superbe. Ah non, ils vont pas la bouffer. Ok. T'es con, non mais... faut pas, hein. L'Alix, Vance, quel mal est survenu? Ah, le Freeman, je suis heureux de vous voir indemne au moins. Quant à l'Alix Vance, son état est grave. Grave, il est grave. Alix Bobo, Alix Dodo. Oh. Seul, je n'arriverai pas à la guérir. Je dois appeler les miens. Je peux pas le tuer. Ça va, Chewbacca? Ah ouais, les miens nous rencontreront dans un abri sous la surface. Ok. Il faut vite l'y emmener. Eh ben non, si, je te suis, je suis obligé de te faire confiance dans tous les cas. Sa protection. Pourquoi y'a la musique qui s'est lancée? Attendez. Ouais, bonne musique, mais pourquoi en fait? Je t'ai pas demandé de te lancer. Faisons vite, Freeman. Oui, allié. Quelle aide nous attend dans les mines? Oui. Une mine. Vas-y, moi je connais pas le chemin, c'est à toi de me guider. Ok. Il faut nous hâter. Son état est critique. Son état est critique. Et ben je me dépêche. Là, ce serait pour la mine. Oh, le petit courant d'air frais. Oh, j'aime. Je serai prudent, alien. Oh, le fameux, le lockpick, je l'avais pas remarqué. Ah. Ok, bah, Freeman est de nouveau armé. Freeman peut tout niquer. Bah, Y'a rien.
Merde, je peux pas utiliser ça pour bouger les grilles, alors qu'avant je le pouvais. Bah c'est super ça. Et sans les mains. Non, ça va juste plus. Ok. Non. Non. Y'a qu'un étage et comme un con je l'ai loupé. C'est pas une mine, c'est un tombeau, ouais. Un tombeau. J'utilise mon 9 mm, 9 mm. Allez, viens. Merde. Nulos. Ok, y a rien là-dedans. Là, y a du shield. Là, c'est l'autre côté. Très bien. Et bah, faut que je passe là. Bah d'accord. Super. Toi tu vas te relever. C'est pour être sûr, hein. Ouais, il est buggé, il se relèvera pas. Pour la science, ouais. Merde. Où qui sont les méchants pas beaux? Je suis perdu, vous êtes tous les méchants pas beaux. Ah bah y'en a un là. Oh, ok. Pas de... Ah j'ai que 11 HP. Ah non. Oh, ça me rappelle le 1. Ok, super. Yes. On dirait une tub. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah, pas de pitié pour les aliens, hein. Sauf ceux qui sauvent Alix. Ça a pas l'air méchant, c'est bon. Ok, je peux pas y accéder. Je continue de marcher dans ce colon. Est-ce que ça me... Je peux les écraser? Mais c'est trop bien. Coucou les coupings. J'aime moins ce que je viens de voir. Allez bien. Ah. Point faible trop fort. Ok. Ok, ok. Ah, j'aime pas les niveaux en mine, et là ça commence à niveau en mine quoi. C'était pour la science, ok. Alors toi, comment ça tu me touches? Bah ta mère. Comment ça elle me touche? Je sais pas, je... pas sympa. Ok. Ouais, ok, un peu de vie, je dis pas non.
Mais c'est tout. Et ben, je prends ça avec moi. C'est pour la science. Puis voilà. J'ai la meilleure arme. Non, la meilleure arme, ça reste. Ça reste le portal gun. Ok. Bah, c'est qui part. Attends, je vais juste dire. Hop, et pour les coupings, pour elle. Ouah, ce lieu de mort. Oh, j'ai le meilleur revolver. Ok, il y en avait là. Qu'est-ce qu'elle essaie de m'attaquer? T'es où? Ah, t'es là. Vas-y, reviens. Reviens, je te casse la gueule. Hop là, c'est comme ça qu'on fait. J'aime pas ces bruits, hein. Enfin. Bon, écoute, à un moment. Voilà. Vas-y, viens, voilà. Ferme ta gueule. C'est pas croyable, ça. Ça fera ça en moins. Merde. Faut que je remonte. Ok, ok, ok. Le jeu est pas si simple, hein. Je fais. Attendez, je crois que j'ai une notif. D'accord. Bah, je viens de là en fait. Ah, bah, il faut que je. Ah, j'écrase toujours. Oh mais ta mère toi. Mais enfin, mais ça va pas. Bah reviens, reviens. Ok. Mais encore. Faut que je passe par en dessous, super. Me refais jamais ça. Ok. Oh non, il y a les anus géants. Je peux pas passer par là. Mais c'est là. Non. Moi je veux pas me faire prendre par les anus géants. Et je voulais pas recharger, trou de balle. Enfin, ça va pas. Ah, j'adore être fort. Merde, j'ai vraiment foncé dans le truc. T'as la puissance du revolver, j'adore. Attention, niveau de toxine en augmentation. Ah mais je l'ai one shot avec ça. Ah non, je l'ai one shot pas, mais je l'ai repoussé. Ah, ils se noient. Ils savent pas nager, les nulos. Ouh, tu sais pas nager, t'es trop nul. Hein. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Je t'ai vu à droite. Hein.
Ah, tu m'échapperas pas. Oh merde. Il est où l'autre? Pardon? Comment ça il m'a eu? Ça va pas? Ouais, ça fait mal, ouais. Ok. Mais c'est pas grave. Tête niquée. Alors? Bah alors, tu crois pouvoir me tuer comme ça? Bah ouais. Ok, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Faut me le dire, hein, si c'est pas bon. Parce que si c'est pas bon, je t'embête pas et tranquille. Ok, ça a l'air d'être bon. Et c'est de là que je viens. Super. La condition Vortel. Ok, non. Ok, j'ai cru que c'était un Android, c'est Gordon Freeman. Le Vortigant t'a dit qu'il allait venir. Qu'il est bête. Alex Vance est là-bas. Le Vort essaye de la retaper. Attends, je vais essayer de voir ce que je peux prendre. Ah bah alors, la grenade elle explose pas, elle est nulle. Attends deux secondes, j'ai plus important. Freeman. Ouais. C'est bien. L'Alix Vance est entre la vie et la mort. Ouais. Les miens sont encore loin. Pour l'heure, il ne faut pas nous déranger. Ouais, d'ailleurs, à ce propos. Puisque vous êtes là, Freeman, donnez-nous un coup de main. Bah non. Je vais vous montrer des capteurs de fourmilion. On a des réserves si vous en avez besoin, des trousses de secours, des munitions, des trucs du genre. C'est pour expédier le... expédier. Ce capteur s'allume si une fourmilion pénètre dans ce ouais, tunnel. Ouais, bon, en gros, ça va être... Plus de feu, plus de fourmilion. Quand le feu s'allume, on place quelques tourelles devant le tunnel. Pas compliqué, hein, Doc? Ok. Hey, Doc! En venant ici, on ne vous a pas suivi, hein? Ne l'écoutez pas, Doc. On est à cran parce qu'on est envahi de fourmilions ici. Ouais. Le Vort dit que tant que l'on ne marche pas sur leurs larves, bah, c'est si loin du nid, ils ne nous entendent pas. Ouais, c'est une théorie qu'on préfère tester. Il ne nous reste plus que deux tourelles. Et encore, elles tiennent debout grâce à du fil de fer et du sparadrap. Remarquez, heureusement qu'on les a. Mais je ne remettrai pas ma vie entre leurs mains. Hey, Griggs, tu pourrais montrer au docteur Freeman là où on stocke les munitions? Ah oui, en bas, à côté ouais. Du Vort. Ouais, j'ai vu, il y a tout ce qu'il faut pour se soigner. Ils arrivent! Un feu! On bouge! Il faut défendre le Vort! Ok. Ça va être ça le mini-jeu pendant je sais pas combien de temps. J'en laisse un peu, Griggs, hein? Pas mal. Ah, j'applaudis. Vraiment. Doc, vous avez déjà vu une fourmilion? Trousse de secours. Ouais, j'en ai vu. Merci pour le soin, mais évidemment, enfin. Je suis Freeman. Je suis pas quelqu'un d'autre. Ici, on est à la brèche. Ça ira tant qu'ils sortent d'un seul tunnel. Docteur Freeman, vous vous occupez de ces tourelles. Et une fourmi chat. Trop drôle. Faut pas qu'il y ait un autre. Yeah,
point faible, trop fort. Les tourelles, hein, pas les gens. Non, il en reste qu'une. Ah non. Et encore un. Ne le prenez pas mal, Freeman, mais c'était plutôt calme avant votre arrivée. Ta gueule. Colonie en 24. Allez, allez, on y va. J'arrive. Ok. Et de une, et la deuxième. C'est parti pour la deuxième. Là, on va se mettre bien. Il y a pas d'XP, mais s'il y en avait, je me mettrais très très bien. Bon bah, désolé. Attends, il me faut la tourelle. Attends, hop, ta gueule. Oh, mais il casse les couilles. Écoutez. Voilà, c'est bon, je l'ai. Allez, gardez le rythme. On reste ici. J'ai mal joué. On a le 36. Vous gérez le 12, Doc. Si vous voyez une bestiole sur moi, faites-la déguerpir la prochaine fois. Je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est sûr. Elles ne font jamais qu'à mettre 50. C'est type... Ok. On va leur mettre la pâtée. Point faible, trop simple, le jeu. J'ai rien à faire. Les tours, elles font le taf, hein, vraiment. Je vais leur en amener une. Ok, c'est tout bon. Ok, bah c'est qui part. Ok, let's go. Vous venez ou... Bon, en attendant. Alors, par contre... Allez. Je vais mourir quand même. Je vais quand même pas mourir plutôt. C'est bien, le petit shooting là. Et ça va? Ah, tranquille. GG EZ. Oh oh, je vais mourir là. A l'aide en fait. Allez, trousse de secours s'il te plaît. Médic. Pourquoi y'a personne à la... à l'autre? Attends, je vais à l'autre du coup. Mais je vais mourir en fait. Jusque là c'est plutôt ok. Il va quand même pas mourir le mec. Ah, c'est bien qu'on ait un médic. Ah là il est mort. Au but de ses cris. Il ne doit pas y en avoir beaucoup plus. Il a survécu. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? On a le 12. J'ai plus de munitions. Et la brèche. Et le 24. Ils viennent de tous les côtés. Je vais mourir. C'est génial ça. Pourquoi ils sont deux là alors qu'il y a une tourelle? Mais bon, attends, je lisse des merdes. Je peux pas les laisser comme ça. Trousse de secours.
Ah merci, ça par contre j'ai dit pas non. Ok. Mais vas-y, ça part trop vite comme mission. Comment ça une tourelle en bas? J'ai plus de munitions de pompe, ça c'est nul. Oh. Attends, attends, je vais chercher des munitions vite fait. C'est pas des munitions. Oui, j'arrive. C'est bon, c'est gagné, normalement. Ouais, c'était un peu attendu ça. Oh, mais casse les couilles. On tiendra plus très longtemps. On va prendre le 36. Surveillez tous les fenêtres, Roman. On va y arriver, hein, les gars. Ouais. Mais oui. On va y arriver. Mais oui. Enfin. Là, faut vraiment pas que je loupe un seul tir. Ok, ils sont besoin d'aide. Elle est pas capote, t'inquiète. Oh, la tourelle, là par contre, elle est vraiment capote. Il faut des mines. Oula, là j'ai carrément tué le mec. Ok. Bon, c'est bon ou... Parce que là c'est un peu chaud. Qu'est-ce que c'est cool. On a trois feux. Et pourquoi y'en a autant? Elle est là. Putain, c'est chaud. Oh merde. Prêt. Trois feux. Ça va être terrible. Allez, venez les loulous. Ah bah il y a un boss là. Hey, ce sont les bords. Ok, c'est bon, ils sont là. Ouais, je le savais. Mais c'est juste que je veux faire peur, chèque. Notre retard est regrettable. Ouais, ta gueule. Nous avons tué bien des fourmilions. Mais il en reste bien d'autres. Il faut s'occuper de la défense. Il n'y a plus de temps. Les fourmilions approchent. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il faut les faire taire. Non. Ah, c'est bien. Eux, ils sont forts. Pardon ? Et je peux rien faire. Je ne suis qu'un homme. Enfin. Y'en a pas d'autres, ok. Heureusement qu'ils sont avec nous. Ah bah oui, sinon on serait mort. Hein. C'est génial. Putain, le nombre de mobs qu'il y a. Pardon. Dire que dans Half-Life 1 et je crois une partie du 2 on en tuait des monstres. Des monstres comme ça là, ceux qui nous aident. Ok, let's go le pont.
Oh, j'ai rien à faire quoi, vas-y. Ah bon, j'ai compris. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai jamais vu les portes dans un état pareil. Ok, let's go. Oh, ça devrait être bon là. Luxe. Ses blessures sont graves. Il va falloir s'immerger totalement dans la vortescence. Il nous faut de l'extrait larvaire. Ah oui, l'extrait. Je vais faire le voyage pour aller chercher l'extrait au plus profond du nid, dans le nectarium sacré. Mais je ne pourrai jamais le ramener seul. Il faut survivre pour garder la licence en vie. S'il vous plaît, Freeman, rejoignez-moi. Et prenez le Freeman. C'est un incomparable compagnon. Mais moi, je veux l'achever. Bien dit. Faut se bouger, Doc. Suivez le Vort. Ouais, il faut vraiment y aller, Freeman. Casse les couilles, enfin. Allez, je te suis. Ah, oh, je veux des munitions du bon pistolet. Ok, ouais, faut aller à droite, super. Ouvrez la voie. D'accord, bah ouais. Ouais, t'avais pas à me le demander en fait. Hein. Mais dis-moi, Normis, tu l'as déjà fait, Half-Life ? Ok, t'as fait lesquels ? Tu les as tous faits ? Il faut millions. Pas une grenade. Achevez-les, Freeman. Merci. Je les ai neutralisés. M'attaquez. Bon, ça devrait être bon là. Allez, j'y vais quand faut y aller. Je suis bloqué. Non. Yes, j'ai acheté Black Mesa. C'est pas vraiment Half-Life, c'est pas fait par. Mais ouais, il a l'air vachement bien. En gros, c'est Half-Life 1, mais en 4K quoi. Triste. Bah alors, ils mettent pas là. Le son est peut-être un peu fort, non? Bon, j'ai dit HP, faut que j'arrête de faire le con. Ok, opposing force, il y a blue shift je crois. Et il y en a pas qui sont nuls dans tout ça. Je savais même pas qu'il y en avait un où tu étais un agent de sécurité. Dommage que la combi du Freeman ne le protège pas des dommages externes. Ouais bah vas-y. Moi au moins j'ai une combi qui parle quoi. Attention aux acides Léon. Leur géologie permet de percer des voies dans la roche. Mais il sert aussi à faire fuir les voleurs d'extrait. Je lui ai vidé un chargeur dessus, ça l'a pas tué. Bon, je me suis un peu loupé, mais... Mais quand même... Oh, fada. Exceptionnel. Thank you.
Yes. Ok, génial. Ok. Mais il y en a un qui est... Un de vraiment des Half-Life, et je parle pas d'Half-Life Alyx, qui est vraiment pas apprécié par la communauté. Enfin, en tout cas, qu'on m'a pas conseillé. C'est pas... Il est pas extrêmement bien fait, mais je parle pas d'Alpha Alyx. Ça doit être Blue Shift, je sais pas. Yes. Ok, j'avoue, j'ai joué avec le feu. Il a confiance en le Freeman. Allez, viens, le Freeman doit te guider. Ok, c'est peut-être pas là qu'il faut aller, j'avoue. Ta gueule, arrête, je fais tout au hasard. Arrête de me sucer, je t'aime beaucoup, mais arrête. A besoin de toi. Mais non, mais je suis con, au pire, ça revient pas. Situation épineuse et énigmatique. Ta gueule. Comme le Freeman va les résoudre. Je vais observer avec un passif. J'espère que c'est ça vraiment le truc à faire. Ah, bah là ça marche. Non. Oh. Eh bah tant pis. Tant pis, je me retrouve comme un con. Oh, bah fait peur. Je les aime pas, ces monstres, étonnamment.
Et faut pas oublier que... Oh, j'ai réussi à passer. Je voulais récupérer ça, mais je suis déjà full life. Oh yes. Heureusement qu'il est con. Je peux voir s'il y a du loot là-dedans. Non. Peut-être en passant par en dessous. Ah, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi croire. Laisse-moi croire. Ok, let's go. Et là, normalement, mon copain, il est censé venir. Avec Tisha Molix. Et bah tant mieux la pub, tant mieux. Je disais bah tant mieux la pub. Jamais le temps. Si je mets du poids, peut-être. Ça a l'air d'être ça. Ça ne change absolument rien. Je suis bien dans la merde. Jamais le temps. Je vois pas de quelle grille tu parles.
Et si je vais de l'autre côté? Quand ça remonte, ça fait descendre l'autre. Oh, des petites couilles. Enfin, des grosses couilles. Oh non, oh merde, oh c'est bêtes, oh j'ai mis ce clic, oh comme c'est bête, j'avais la flemme de continuer en plus. Pouah. Eh si ça c'est pas beau. Oh là, le hasard quoi. Le hasard fait trop bien les choses. Tu as réussi? Ouais, de fou, ouais. J'ai réussi à fermer le jeu. Et c'est déjà pas mal. Voilà la belle lumière naturelle qui m'éblouit. Let's go. Et du coup, à 20h, il y a le concert de Rammstein, c'est ça? Ah non, je confonds avec DJI, pardon. C'est pas toi qui es fan de Rammstein. Putain, j'en étais sûr, bah tant pis. Je ferai ça la prochaine fois, du coup, et... Attends, j'ai envie d'essayer un truc avec ma caméra. Les gens. T'écoutes pas de musique, mais comment tu fais? Enfin, honnêtement, je comprends pas. Tant mieux si tu réussis à vivre sans musique, mais je sais pas comment tu fais. Voilà, je te l'ai dit, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Je vais relancer un petit live ce soir. Et voilà, je verrai de... Bah encore Mustel, tiens. Sur ce, à ce soir, on se voit vers 20-21h. J'ai pas d'horaire fixe. Hein. Des bisous, c'était Dict Arthur. Et à bientôt. Zoubi zoubi.